va commencer par une activité. Aujourd'hui, on ne va pas parler de probabilité. On va apprendre à compter. On va apprendre uniquement à compter. Alors, à la fin de la leçon, vous devez avoir une idée sur quatre nombres qu'on va discuter. Quatre nombres qui sont totalement nouveaux pour vous. Il y a un nombre qui est ancien parmi ces quatre, mais les trois autres sont totalement nouveaux pour vous. Vous allez savoir les calculer et vous allez savoir leur sens. D'accord ? Bien. Alors, cette leçon, c'est les pieds de la probabilité, ou des probabilités. Alors, sans cette leçon, on ne peut pas aborder la leçon de probabilité. Alors, les probabilités, c'est une science. Alors, Jadi, il a été lié aux notions des paris, mais maintenant, c'est une science totale. Bien. Alors, vous allez savoir une chose, c'est que tous les calculs qu'on va apprendre à faire, ce sont des calculs qu'on ne fait pas maintenant, mais qu'on prévoit, on doit prévoir ce qu'il va venir scientifiquement. Alors, par exemple, cette activité qui est devant vous. Alors, combien de nombres de deux chiffres peut-on former avec les chiffres 2, 7, 5 et 9? Donc, regardez ici, j'ai posé la question, j'ai dit combien. Alors, je vous ai dit au départ qu'on va compter. Alors, combien on doit répondre par un nombre? Bien. Alors, vous avez quatre chiffres, 2, 7, 5 et 8. Alors, combien de nombres de deux chiffres peut-on former? Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, 27, 59, 75, etc. On peut les chiffrer comme ça, on peut les donner pas tâtonnement, mais vous devez apprendre une méthode scientifique ou une approche scientifique pour les citer tout d'abord, mais principalement leur donner un nombre. Leur citer, c'est à 2-3%, parce que vous serez censé de ne pas citer les situations ou toutes les possibilités, mais en donner un nombre uniquement, dans la plupart des cas. Donc, vous avez compris maintenant. Donc, comment? Alors, une approche, la première approche, c'est celle-ci. Alors, ce nombre de deux chiffres dont je vous ai donné quelques exemples, bien sûr, il se compose de deux cases. Il se compose de deux cases. Une case réservée aux unités, comme ça. Case des unités. Et une case réservée aux dizaines. Bien. Alors, de combien de façons peut-on remplir la case des unités? Alors, c'est-à-dire, on peut poser ici soit le 2, soit le 7, soit le 5, soit le 9. Donc, il y a quatre façons différentes pour choisir la case des unités. Donc, quatre façons différentes. Différentes, bien sûr, puisqu'on peut poser 2, ou 7, ou 5, ou 9. Bien. Alors, si on pose le 2, ça doit être ici le nombre qui sera composé, ça doit être 22, 72, 52, 92. Donc, il y a toujours un 2 ici. On doit changer la case des unités. Donc, il y a quatre façons de faire le premier choix. Donc, ça, c'est le premier choix. Et ça, c'est le deuxième choix. Donc, notre expérience ici, expérience, c'est un mot réservé à cette leçon. Alors, cette leçon est là sans langage. Donc, construire un nombre à deux chiffres, ça se compose de deux choix. Le premier choix se constitue de quatre façons différentes. Aussi, le deuxième choix, il se constitue de quatre façons différentes.
Lesquels sont aussi le 2, le 7, le 5 et le 9. Alors aussi 22 et figure parmi les nombres construits. 55, 77, 99, puisque j'ai dit deux chiffres. Je n'ai pas dit de deux chiffres différents. Alors lorsque, si je dis deux chiffres différents, on ne peut pas répéter. Il n'y aura pas de répétition. Donc il n'y a pas de répétition, mais l'ordre ici est important. Voyez bien si je parle du nombre 72, dans le cas où on met un 2 ici et un 7 ici. Alors si j'inverse l'ordre, ça doit être 27. Donc dans le langage du nombre, c'est différent. Donc j'ai inversé l'ordre, donc l'ordre ici est important. Donc, alors il y a 4 façons pour choisir la case des unités et 4 façons pour choisir la case des dizaines. Bien. Alors, ce n'est pas par coïncidence, c'est 16. 4 fois 4, c'est 16. Mais on va voir c'est quoi ce 16. Alors, tout d'abord, on va citer tous les nombres qu'on peut construire. Alors, je vais les citer alors, par hasard. Alors, je vais dire alors, 72. Alors, lorsque je mets dans la case des unités 2, donc c'est 72, puis 22, puis 52, puis 92. Alors, si je mets dans la case des unités, alors j'ai mis 2, donc si je fais 7, ça doit être 7, 7, 7 et 7, 4, 7, puis je fais varier les autres. Donc, c'est 77, 2, 5 et 9. Donc, 77, 87, 57 et 97. Puis, alors j'ai mis 2 et 7. Maintenant, je vais mettre 5 donc, dans la case des unités. Donc, 5, 5, 5, 5. Puis, je vais faire barrer la case des dizaines. Donc, ça doit être 2, 7, 5 et 9. Bien. Puis, alors j'ai passé par 2, 7 et 5. Je mets le 9. Donc, le 9... 9, 9, 9, ça c'est la case des unités, je fais varier la case des dizaines. Donc c'est 2, 7, 5 et 9. Voilà. Donc je peux construire combien de nombres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et bien sûr, c'est le 16 qui est ici. Donc on peut construire 16 nombres. C'est-à-dire, dans cette expérience, il y a 16 résultats. 16 résultats. Et 16 nombres. Donc, si je vous demande de choisir parmi les deux méthodes, bien sûr, vous allez choisir la première. Alors, je vais bien éclaircir. Alors, ça, c'est, je pense que construire un nombre de deux chiffres, c'est facile. Mais, lorsqu'on veut construire un nombre de quatre chiffres ou de cinq chiffres, ça se complique. Bien. Mais, si on veut choisir la première méthode, on va insister là-dessus. Alors, je dis, pour la case des unités, c'est le premier choix. J'ai 4 façons pour le premier choix. Et 4 façons pour le deuxième choix. Donc, le nombre de résultats, c'est 4 fois 4, c'est 16. D'ailleurs, c'est le principe de l'analyse combinatoire. Bien. Alors, vous voyez bien que lorsque je veux construire un nombre de deux chiffres différents, c'est-à-dire, j'ai 4 façons pour le premier choix, mais le deuxième choix, puisque je ne dois pas répéter les chiffres, puisque deux chiffres différents, il y aurait uniquement 3 façons. 3 façons, puisque si je mets le 2 ici, je n'ai pas le droit de le mettre ici, sinon il y aurait une répétition. Donc, 4 fois 3, c'est 12. Donc, j'aurai 12 résultats dans ce cas. Ou d'ailleurs, ça se voit ici. C'est tout ce bagage ici, c'est tout l'ensemble E. Il faut uniquement ôter quoi? 22 et 77 et 55 et 99, puisque ce sont des nombres qui se composent de chiffres qui sont égaux. Donc, 1, 2, 3, 4, ôter 2, 16, ça donne 12, comme on l'avait dit avant. Mais il y a aussi une autre façon de trouver, de citer toutes les possibilités, c'est ce qu'on appelle l'arbre de choix. Alors cet arbre de choix, vous devez la connaître car tous les élèves de votre âge peuvent construire un arbre de choix. Donc vous savez bien ici,
Alors, vous voyez bien que j'ai déterminé tous les nombres et j'ai donné une méthode pour déterminer ces nombres. Je vais donner une troisième méthode. Arbre de choix. Alors, cet arbre, ça se constitue de deux étapes. Et on peut le construire comme ça. Alors, choix des unités. Alors, on peut choisir, il y a quatre façons pour choisir les unités, comme j'ai dit. Donc, le 2, le 5, le 7 et le 9. Comme ça. Donc, je construis la première branche, la deuxième, la troisième et la quatrième branche. Bien. Donc, pour le choix des unités, on peut choisir quand? On peut choisir le 2 ou le 3 ou le 4. Bien. Donc, la case des unités peut être 2 ou 5, 7 ou 9. Voilà. Très bien. Alors, si la case des unités prend l'un de ces chiffres, alors on va passer maintenant à la case des dizaines. Alors, la case des dizaines, on peut la remplir aussi par quatre façons différentes. Voilà. Donc, comme ça. Donc, je dis que si la case des unités prend la valeur 2, alors la case des dizaines peut prendre la valeur 2, au 5, au 7, au 9. Alors, la même chose ici. Si la case des unités contient 5, alors ici, la case des dizaines, elle peut contenir les 4 chiffres. C'est-à-dire le 2 ou le 5 ou le 7 ou le 9. Voilà. Donc 2, 5, 7, 9. Alors je pense que vous avez compris. Vous pouvez même continuer sans moi. C'est pas vrai. Alors, c'est un jeu d'enfant, mais ça se complique s'il s'agit de 4 nombres ou de 3 nombres. Donc, la même chose, je dis si la case des unités contient 7, alors la case des dizaines peut contenir 2, 5, 7 ou 9. La même chose ici, alors 1, 2, 3 et 4. Et enfin, voilà. Alors je dis aussi, si la case des unités contient 9, alors la case des dizaines peut contenir 2, 7, 5 ou 9. Voilà, très bien. Donc c'est clair. Voilà notre arbre de choix. Vous voyez bien que cet arbre, il contient des branches. Alors chaque branche nous donne un résultat. Où on dit une possibilité. Comment? Alors, cette branche, du début à la fin, ça nous donne 22. Ici, ça nous donne 22. Ici, ça nous donne quoi? Alors, n'oubliez pas que ça, c'est les unités. Donc, 2, 5, c'est 52.
Ici, 2, 7, c'est 72. Ici, 2, 9, c'est 92. Ainsi de suite. Alors, je ne vais pas les citer toutes parce que je les ai citées avant. Donc, je prends un au hasard. Ça donne ici combien? Ça donne quel nombre? Ça donne 97. Ainsi de suite. Vous voyez bien aussi que chaque bout de la branche, ça représente une possibilité. 1, 2, 3, 4 fois 4, c'est 16. Donc 4 fois 4. 4 fois 4, c'est aussi 4 à l'absence 2. Voilà donc ce que vous devez retenir, c'est ceci. C'est ce qu'on va appeler le principe de l'analyse combinatoire. Donc on a 4 façons de choisir la case des unités. Et 4 façons pour choisir la case des dizaines. Donc 4 fois 4, c'est 4 à l'absence 2, c'est 16. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de remarques, je peux continuer. Alors, l'arbre de choix, ça nous donne quoi? Ça nous donne toutes les possibilités. Mais, dans la plupart du temps, dans 90% des cas, et suivant votre branche, vous n'aurez pas à me tracer des arbres. Mais, vous êtes censé à connaître le nombre, à déterminer le nombre de possibilités. D'accord? Bien, donc je vais passer à autre chose. Donc, conclusion ici, vous avez à construire un nombre de deux chiffres. Cette expérience se constitue de deux choix. Le premier choix se fait de quatre façons différentes. Le deuxième choix se fait de quatre façons différentes. Donc, le nombre de résultats, c'est 4 fois 4, c'est 16. Ce n'est pas la peine de citer tous les nombres. Je veux que vous compreniez bien la méthode. On va passer à une autre activité. Activité 2. Bien. Maintenant, on va dire combien de nombres de 3 chiffres. Alors, combien de nombres, cette fois-ci on va prendre 3 chiffres, différents, c'est-à-dire il n'y aurait pas de répétition, différents, les chiffres sont différents, peut-on former avec les chiffres 2. Alors, je vais répéter la même démarche. Alors, la première démarche, c'était la méthode des choix. Citer les choix. Alors, je vais souligner ici les mots-clés. Combien de nombres de 3 chiffres différents? Peut-on former avec les chiffres 2, 5, 7. Donc, il y a un nouveau venu ici. C'est ce que les chiffres sont différents. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Alors, ces résultats ou cette expérience. Alors, expérience, c'est le mot utilisé dans cette leçon. Construire des nombres, c'est une expérience. D'ailleurs, cette leçon, elle n'est pas limitée uniquement dans la construction de nombres. Vous pouvez faire d'autres choix. Alors, les exemples vont arriver doucement et vous allez bien comprendre et construire et un peu ouvrir votre esprit. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Ce nombre que je vais construire, il se constitue de 3 unités. Alors, la première case, la case des unités, la case des dizaines, puis la case des centaines cette fois-ci. Voilà. Donc, j'ai 3 choix. Je vais choisir le nombre de façons de la case des unités, puis le nombre de façons de la case des dizaines, puis le nombre de façons de la case des centaines. Donc, cette fois-ci, j'ai 3 choix.
Et chaque choix se fait d'un nombre différent de façons. Donc retenez-moi bien le choix et la façon. Les choix et les façons. Donc on a quatre façons pour remplir la case des unités. C'est-à-dire, la case des unités peut contenir 1 ou 5 ou 7 ou 9. 1, 2, 3, 4. Alors, à votre avis, il y a combien de façons pour remplir la case des dizaines? Alors, souvenez-vous bien qu'on ne peut pas répéter les chiffres. Si on met ici un 2, on ne va pas le mettre dans la case des dizaines. Sinon, il y aurait un chiffre, un nombre dont les chiffres ne sont pas différents. Donc, si le premier choix se fait de 4 façons, alors le deuxième choix, ça va se faire avec 3 façons uniquement. Donc, supposons que j'ai mis ici 2 et 5. Je ne vais pas répéter le 5 ici. Donc, ces deux cases sont remplies par 2 de ces nombres. Il me reste combien de nombres? Il me reste uniquement 2. Donc, combien de nombres je peux construire? C'est 4 fois 3 fois 2. Par la même approche. Et 4 fois 3 fois 2, c'est 24 nombres. On peut construire 24 nombres. Alors, si je vous demande, bien sûr, de les citer, vous n'allez pas arriver à les citer tout de suite. Ça demande un peu de temps, même peut-être impossible quelquefois. 24 nombres ou 24 résultats. Ou aussi, on dit 24 possibilités. Ce sont tous des mots qui veulent dire la même chose. D'accord? Donc, je répète, notre expérience est pour trouver tous les résultats. Elle se constitue de trois choix. Le premier choix se fait de 4 façons. Le deuxième choix de 3 façons. Le troisième choix de 2 façons. Le nombre de résultats, c'est le produit. Bien. Alors, je ne vais pas ici donner tous les nombres, mais je peux en citer quelques-uns. 257, 952, ainsi de suite. Ils sont au nombre de 24. Alors, je ne vais pas rester ici pour les citer, mais ce qui est me demandé, c'est combien. Combien, c'est 24. Très bien. Alors, on va généraliser cette approche. On va généraliser cette approche. C'est ce qu'on appelle le principe fondamental de l'analyse combinatoire. Alors, comment on va généraliser cette approche qu'on avait dit? Alors, après ces activités, je vais faire ici grand 1, principe fondamental de l'analyse combinatoire. Fondamental de l'analyse combinatoire. De l'analyse combinatoire. J'explique. Alors, l'analyse combinatoire, c'est le dénombrement. L'analyse combinatoire, alors cette leçon, il a deux noms. L'analyse combinatoire, c'est dans sa partie la plus facile, c'est le dénombrement. Alors, vous allez analyser lorsque vous poussez votre étude. Le principe, le mebda el-essay, c'est le principe fondamental. Bien. Le principe. Alors n'oubliez pas que je donne une leçon un peu restreinte, vu les conditions dans lesquelles nous vivons. Alors, soit E une expérience. Alors, soit E une expérience. D'accord? Expérience, c'est-à-dire former un nombre de deux chiffres, former un nombre de trois chiffres, etc. Dans les résultats,
résultat nécessite qu'un choix. Qu'un choix. Alors, dans la première activité, le cas c'était deux. Il y avait deux choix. Le choix des unités et des dizaines. Dans la deuxième activité, c'était K. La valeur de K, c'était 3. D'accord? La case, le choix de la case des unités, le choix de la case des dizaines, le choix de la case des centaines. Alors, le premier choix se fait de N1 façons différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en comparant avec le premier exemple, le premier choix, c'était la case des unités. Il se fait de N1. N1, c'était quoi? C'était 4. Le choix de la case des unités se fait de 4 façons différentes. Donc, N1, c'était 4. Et le deuxième choix se fait de N2 façons différentes. Et le deuxième choix, c'était la case des dizaines. Alors, pour la première activité, N2, c'était 4. Ainsi de suite. Le troisième choix, c'était dans la deuxième activité. Alors, le troisième choix, c'était combien de façons? C'était 2 façons. Et on va continuer comme ça, on va généraliser. Le KM, on a dit K choix. Le KM choix se fait de NK façons différentes. D'accord? Bien. Alors, le nombre de résultats, ou on dit aussi possibilités, est quoi, à votre avis? Alors, qu'est-ce qu'on avait fait pour le premier exemple? On a multiplié 4 fois 4. Le deuxième choix, on a multiplié 4, le nombre de façons du premier choix, fois 3, le nombre de façons de la deuxième choix, fois 2, le nombre de façons de la troisième choix. Mais ici, on a n k façons. Donc, ce nombre, c'est quoi? C'est n1, qui est le nombre de façons du premier choix, fois n2, ainsi de suite, jusqu'à n. C'est ça le principe fondamental dont je vous ai parlé au début du paragraphe. Voilà. Donc, c'est le principe de la multiplication. On multiplie. D'accord? Bien. C'est très simple. Si les choix succèdent, avec chacun se fait avec un nombre de façons, le nombre de possibilités, c'est le produit des nombres de choix. C'est tout. Bien. D'accord. Deuxièmement, alors je vais expliquer ce qu'on appelle un arrangement. Arrangement. Avec répétition. Puis, je vais expliquer ce qu'on appelle arrangement sans répétition. Bien. Puis, je vais expliquer ce qu'on appelle une permutation. Bien. Donc, permutation, arrangement avec répétition, arrangement sans répétition. Bien. Alors, je ne vais pas écrire la définition parce qu'elle est très longue, mais vous allez comprendre. Qu'est-ce que c'est un arrangement avec répétition? Alors, vous rappelez bien de l'ensemble des nombres qu'on avait utilisés, c'était 2, 5, 7 et 9. On peut les rassembler dans un ensemble. On avait choisi dans la première activité deux chiffres
parmi quatre. C'était pour construire un nombre de deux chiffres. Dans la deuxième activité, on avait pris trois chiffres parmi quatre. Donc, on prend une partie de l'ensemble référentiel. Bien. Alors, pour la première activité, les nombres construits, c'était 25, 27, mais c'était aussi 22. C'était aussi 55. C'était aussi 77. C'était aussi 99. Donc, vous voyez bien que les chiffres se répètent. Bien. Mais j'ai signalé avant que 25 est différent de 52. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai changé uniquement l'ordre. Et j'ai obtenu une possibilité différente de la première. Et il y a répétition des nombres dans cette expérience. Donc on l'appelle un arrangement. Chaque résultat est un arrangement avec répétition. Qu'est-ce que ça veut dire un arrangement? Alors, un arrangement, ça vient de arranger. Alors, vous arrangez vos affaires, vous arrangez avec quelqu'un, etc. Tartibo, tartib, tartib, na, muhim. Walakin, yejuzu tikrar. Donc, l'ordre est important, mais il y a répétition. Donc, c'est une expérience dont les résultats sont des arrangements avec répétition. Donc, arrangement, c'est-à-dire l'ordre des résultats est important. Mais on peut répéter. Donc, c'est un arrangement avec répétition. Très bien. Bien. Maintenant, c'est quoi un arrangement sans répétition? Je reviens à la deuxième activité. Il s'agissait de construire des nombres de trois chiffres. Mais ces chiffres sont différents. Mais l'ordre aussi des chiffres est important. Puisque si je change l'ordre, j'obtiens une possibilité qui est différente de la première. Mais attention, il n'y a pas de répétition. Donc c'est un arrangement, ou ce sont des arrangements sans répétition. Donc c'est quoi un arrangement sans répétition? C'est un sous-ensemble de E où il n'y a pas de répétition des éléments et l'ordre est important. Par exemple, si j'écris comme ça, 2, 5, 7. Alors, s'il s'agit des coordonnées d'un point, par exemple, il ne s'agit pas de nombre. Bien sûr, ce point est différent du point B. Alors, si j'inverse l'ordre, je laisse le 2 ici, je fais ici 7 et ici 5, avec les mêmes nombres. Donc, j'ai changé l'ordre et j'ai obtenu une nouvelle possibilité. Alors, ça, c'est un arrangement, puisque c'est un sous-ensemble qui est ordonné. Donc, l'ordre est important. Mais il n'y a pas de répétition. Donc, c'est un arrangement sans répétition. Très bien. D'accord. Bien. Il me reste, qu'est-ce que ça veut dire permutation? Bien. Alors, dans la première activité, j'ai construit un nombre de deux chiffres. Dans la deuxième, j'ai construit un nombre de trois chiffres. Dans les deux activités, j'ai pris uniquement une partie de l'ensemble référentiel. Alors, imaginez si je prends tous les nombres. Ici, dans la première activité, j'ai pris 2 parmi 4. Dans la deuxième, 3 parmi 4. Maintenant, je vais prendre les 4 parmi 4. Il y en a par exemple 2, 5, 7, 9. Donc, les autres choix, c'est faire, pour trouver un autre choix, un autre nombre, disons, il s'agit de permuter, de permuter les chiffres. Donc, si on prend tous les nombres, on l'appelle une permutation. Donc, dans la permutation, on prend tous les nombres.
Donc, une permutation, c'est quoi? C'est un arrangement sans répétition, mais on prend tous les nombres, on ne prend pas une partie. Voilà. Alors, je vais vous poster un résumé du cours. D'ailleurs, je suis en train de vous faire construire, de produire une vidéo. Je l'ai fait avec les arabisés, vous pouvez la voir si vous voulez. Elle est dans la page, vous pouvez la voir. Elle est en arabe. Alors, je suis en train de produire une autre en français. Bien. Donc, j'ai défini ce qu'on appelle un arrangement avec répétition, un arrangement sans répétition et permutation. Bien. Maintenant, alors, je me référencie toujours aux activités que j'ai faites. Dans la première activité, les résultats sont les nombres que j'ai trouvés. Ils étaient au nombre de 16. Bien. Alors, quel est leur nombre? C'était quoi? C'était 4 à l'absence 2. C'était 4 à l'absence 2. Si on veut lire ce nombre, une lecture entre les lignes, le 4, c'est le nombre d'éléments de l'ensemble E, et le 2, c'est le nombre d'éléments qu'on a choisi parmi ces 4. Donc, c'est 4 à l'absence N. Donc, si je veux généraliser, qu'est-ce que je vais dire? Si je veux généraliser, qu'est-ce que je vais dire? Et ce 4 à l'absence 2, c'était le nombre d'arrangements avec répétition. Donc, le nombre... Maintenant, je vais passer au sérieux. Alors, le nombre de répétition, d'arrangement avec répétition. AR, les arrangements avec répétition. 2, P éléments, parmi N éléments, comme ça, et quoi? Alors, le premier exemple, c'était 4 à l'absence 2. Maintenant, ça doit être N, le nombre d'éléments de l'ensemble. On choisit P parmi N. On choisit P éléments parmi N éléments. Bien sûr, P est supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à N. C'est N qui est grand. Donc, c'est N à l'absence P. Donc, s'il s'agit d'un arrangement avec répétition, le nombre d'arrangements avec répétition, c'est N absence P. Bien, vous allez me dire, monsieur, mais comment on va les connaître? Non, ça c'est simple. Alors, vous allez en prendre l'expérience avec le temps et vous allez détecter les mots-clés qui déterminent s'il s'agit d'un arrangement avec répétition ou un arrangement sans répétition ou avec une permutation. D'ailleurs, je vais en donner des exemples. Bien, le nombre des arrangements sans répétition de P éléments parmi N est quoi? Donc ici, je vais encadrer ce nombre. Voilà. Bien, alors souvenez-vous bien. Un exemple d'arrangement sans répétition, c'était la construction d'un nombre de trois chiffres différents. C'est la deuxième activité, n'est-ce pas? Alors, ce nombre, c'est quoi? Alors, on avait commencé, c'était 4 fois 3 fois 2, n'est-ce pas? Donc, on va commencer par comparaison, on va commencer par n fois n moins 1, puisqu'on descend, ainsi de suite, et on s'arrête à un certain rang. Ça va être un certain rang. C'est n moins p plus 1. Voilà le nombre d'arrangements sans répétition. Alors, je commence par le nombre d'éléments de E, c'est n. Je m'arrête ici. Alors, 4 moins 3, c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que le nombre d'arrangements avec répétition, c'est n absence p. Le nombre d'arrangements sans répétition, c'est n, facteur de n moins 1, jusqu'à n moins p plus 1.
qu'on peut noter comme ça. Qu'on peut noter A, N, P. A, c'est quoi? C'est arrangement. C'est le nombre d'arrangements de P éléments parmi N. A, N, P, c'est le nombre d'arrangements de P éléments parmi N. Sa valeur, c'est celle-ci. C'est N facteur de N moins 1 fois, etc. jusqu'à N moins P plus 1. Exemple. Qu'est-ce que ça veut dire A, 7, 4? C'est quoi A, 7, 4? C'est quoi A, 7, 4? Et quelle est sa valeur? Je réponds. Alors, A, 7, 4, A, 7, 4, c'est le nombre d'arrangements sans répétition de 4 éléments parmi 7. Comment on le calcule? On commence par N, par 7, puis on descend. Puis on s'arrête où? Vous devez freiner. Il y a un frein ici. Lequel? C'est celui-là. Voilà le frein. C'est N moins P plus 1. Alors, on devait freiner la décomposition, bien sûr. N moins P plus 1. 7 moins 4, c'est 3, plus 1, c'est 4. Donc, on s'arrête en 4. Je répète. 7 moins 4, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. Je m'arrête en 4. Je freine ici. Bien. Et il y a une autre façon. Je commence par 7 et j'écris en descendant 4 nombres. Voilà 4, donc j'écris 4 nombres. Un autre exemple. A, 10, 5. C'est quoi? Tout d'abord, ça veut dire quoi A, 10, 5? C'est le nombre d'arrangements sans répétition de 5 éléments parmi 10. Comment on le calcule? C'est 10, donc je dois écrire 5 nombres. Vous voyez ici 5? Donc vous avez maintenant 5 façons de calculer les ANP. Soit en utilisant la formule, vous commencez par N, vous freinez ici. Sinon, la plus simple, c'est... Alors, celle-ci, on l'utilise dans le cas général, mais le calcul, ça se fait facilement avec la deuxième méthode que je vous ai dit. Je dois écrire 5 nombres en descendant. Donc, 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je dois freiner. Donc, je m'arrête ici. 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, avec la première méthode, c'était quoi? 10 moins 5. 10 moins 5, c'est quoi? C'est 5 plus 1, c'est 6. Très bien. Et le calcul, ça se fait avec la calculatrice. Hein? Bien. Alors, si vous avez des remarques, bien. Alors, donc, le nombre des arrangements avec répétition, c'est n absence. Le nombre d'arrangements sans répétition, c'est ANP. Maintenant, le nombre de permutations. Alors, le nombre de permutations, le nombre de permutations de N éléments est... Donc ici, c'est N parmi N. J'ai dit que une permutation, c'est un arrangement sans répétition de n éléments parmi n. Donc, c'est quoi? C'est a, puisque ce sont des arrangements sans répétition, c'est a n n. Et a n n, c'est quoi? C'est n facteur de n moins 1, ainsi de suite. Je m'arrête où? Alors, à la place de p, c'est n. N moins n, c'est quoi? C'est 0, il reste 1. Donc, je m'arrête n de 1. Donc, ici, c'est 2, ici, c'est 3. C'est-à-dire, A, N, N, c'est quoi? À partir de N, je décompose jusqu'à 1. Alors, ce nombre est noté comme ça. On le note comme ça pour faciliter les choses. Et on le lit factoriel N. Factoriel. Factoriel N. Exemple. Factoriel 5, c'est quoi?
C'est quoi tout d'abord factoriel 5? C'est le nombre de permutations de 5 éléments. Quelle est sa valeur? C'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est 120. D'accord? Voilà. Donc maintenant, j'ai parlé des arrangements avec répétition, des arrangements sans répétition, des permutations. Est-ce que vous êtes là? Faites-moi un signe. Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Hey. Oui, Hajar est là, très bien. Et les autres, où sont-ils? Jade, oui. Bien. Alors, c'est clair? C'est clair? Vous me répondez, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bien. Très bien. Maintenant, je vais passer à autre chose. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est que le nombre de permutations avec répétition, c'est n absence p. Le nombre d'arrangements sans répétition, c'est anp. Le nombre de permutations, c'est factoriel n. Je vais maintenant passer à autre chose. Bien. Alors, troisièmement, alors premièrement, c'était le principe. Deuxièmement, c'était les arrangements avec répétition, les arrangements sans répétition, les permutations. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les combinaisons. Bien. C'est quoi une combinaison? Alors, une combinaison, c'est une partie de E, mais cette partie, alors j'ai dit partie, j'ai pas dit un arrangement, dans l'ordre entre ces éléments n'est pas important. Alors j'explique. Alors, dans le deuxième exemple, la deuxième activité, il s'agissait de construire un nombre de trois chiffres. Par exemple, 257. Alors, si je les écris comme ça, bien sûr, l'ordre est important. Ce sont des nombres. Même si j'écris comme ça, s'il s'agit des coordonnées d'un point. Alors, s'il s'agit des coordonnées d'un point, c'est un triplé. Dans un triplé comme, vous savez, l'ordre est important. Mais si j'écris comme ça, 2, 5, 7. Alors, regardez ces trois écritures. Ici, c'est un nombre. Ici, c'est un triplé. Alors, la même chose, l'ordre ici est important. Mais là, si je change l'ordre, je mets ici le 2, ici le 7 et ici le 5. Est-ce que ça va changer? Bien sûr que non, c'est le même ensemble. L'ordre des éléments dans un ensemble n'est pas important. Dans votre famille, vous construisez un ensemble. Lorsque vous êtes réunis sur la table, si vous êtes assis dans un désordre, c'est la même famille. Donc, dans un ensemble, l'ordre n'est pas important. Même si on prend une partie partie de trois éléments comme celle-ci parmi quatre. Mais là, l'ordre, il n'est pas important. Lorsque l'ordre n'est pas important, on ne l'appelle pas un arrangement. Parce qu'un arrangement, c'est un adjectif de l'ordre. Dans un arrangement, il y a à fortiori l'ordre. Mais ici, il n'y a pas d'ordre. On l'appelle une combinaison. Donc, une partie d'un ensemble dont l'ordre n'est pas important, on l'appelle une combinaison. Là, toute partie de P éléments d'un ensemble E
de n éléments dans toute partie 1, ça est une combinaison de p éléments. Donc il n'y a pas d'ordre. Bien. Alors vous allez me dire, monsieur, on a connu le nombre de permutations, d'arrangements avec répétition, c'était n à la puissance p. Le nombre d'arrangements sans répétition, c'était anp. Le nombre de permutations, c'était factoriel n. Quel est le nombre de combinaisons? Oui, il existe. C'est ce qu'on appelle CNP. C, c'est la première lettre du mot combinaison. Mais CNP, ce n'est pas une combinaison. C'est le nombre de combinaisons. C'est quoi? Et le nombre de combinaisons de P éléments parmi N éléments. D'accord? Parmi N éléments. D'accord? Donc, comme ANP, je vous ai dit quoi ANP, avant de calculer, c'est quoi? C'est le nombre d'arrangements sans répétition de P éléments parmi N. CNP, c'est le nombre de combinaisons de P éléments parmi N. Maintenant, comment on le calcule? Alors, CNP, c'est quoi? C'est ANP, vous le connaissez, sur factoriel P. D'accord? C'est ANP sur factoriel P. Exemple. Alors, C, 5, 2. Alors, C, 5, 2, c'est quoi tout d'abord? C'est le nombre de combinaisons de deux éléments parmi cinq éléments. Comment on le calcule? C'est A, 5, 2 sur factoriel 2. Alors, toujours le plus grand nombre, il est en bas. Mais cette notation elle n'est pas universelle. Alors, vous allez, lorsque vous poussez vos études, on peut inverser les choses, mais un certain âge lorsque vous comprenez les choses. Alors, A5, 2, c'est quoi? C'est 5 fois 4. J'écris 2, nombre en descendant. Sur factoriel 2, c'est 2 fois 1. Ça donne quoi? 10. Voilà. On a 4 nombres. Ce sont tous des nombres entiers. Alors, C, 10, 4. C'est A, 10, 4 sur factoriel 4. A, 10, 4, c'est quoi? C'est 10 fois 9 fois 8 fois 7 sur factoriel 4 qui est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Il y a des simplifications. 3 avec le 9, ça reste 3. 4 fois 2, c'est 8. Donc, sans sauter, 3. 7 fois 3, c'est 21. Fois 10, c'est 210. Nombre d'arrangements avec répétition, c'est quoi? Le nombre, c'est quoi? Le nombre d'arrangements sans répétition, c'est quoi? Le nombre de permutations, c'est quoi? Le nombre de combinaisons, c'est quoi? Alors écrivez-le dans cet ordre. Donc, le nombre d'arrangements avec répétition, c'est quoi? C'est n à la puissance p. C'est n à la puissance p. Le nombre d'arrangements, sans répétition, c'est anp. Le nombre de permutations, c'est factoriel n. Le nombre de combinaisons, c'est cnp. D'accord? Bien. Donc, alors l'essentiel ici, ce que vous devez retenir, c'est que dans le premier nombre, vous devez savoir quand est-ce que vous utilisez ces quatre nombres. Alors, n à la puissance p, on l'utilise lorsqu'il s'agit des arrangements avec répétition.
ANP, on l'utilise lorsqu'il s'agit d'un arrangement, des arrangements sans répétition. Factoriel N, on l'utilise lorsqu'il s'agit de permutation. Et CNP, on l'utilise lorsqu'il s'agit de nombre de combinaisons. Donc, dans les trois premiers, l'ordre est important. Le dernier, l'ordre n'est pas important. Dans la première expérience, on tire successivement trois boules successivement avec remise. Trois boules de l'urne. Bien. Donc, dans la réalité, vous êtes censé à bien maîtriser trois types de tirage. Alors, vous regardez la question. J'ai dit on tire. Normalement, on ne tire rien du tout. Alors, je vous ai dit qu'on est en train de voir quelque chose qui va venir dans l'avenir. On tire, c'est-à-dire c'est un tirage. Successivement, c'est-à-dire on tire la première boule, puis la deuxième boule, puis la troisième boule. On fait trois gestes, trois mouvements. Avec remise, c'est-à-dire on tire la première boule, on va noter sa couleur ou son numéro s'il s'agit de numérotation, puis on la remet dans le sac. Puis on tire la deuxième boule, on note sa couleur, puis on la remet dans le sac. Puis on tire la troisième boule, on note sa couleur et on la remet dans le sac. Vous voyez bien clairement que si on tire une boule blanche, il a une autre chance d'avoir tiré dans le deuxième tirage et même aussi dans le troisième tirage. Donc, et tirer aussi. Alors, regardez bien. On peut tirer dans le premier tirage une boule blanche, dans le deuxième une boule blanche, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis dans la troisième une boule rouge. Donc, il y a répétition, puisque chaque fois on remet la boule dans l'urne. C'est un tirage successif avec remise. Lorsque vous trouvez un tirage successif avec remise, il s'agit d'arrangement avec répétition. Puisque pour répétition, oui, on le voit. Mais pourquoi arrangement? Puisque B, 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 R, N, c'est-à-dire la première boule est blanche, la deuxième est noire, la deuxième est rouge, la troisième est noire, c'est pas B, N, R. L'ordre ici est important. B, N, R, c'est-à-dire tirer la première boule blanche, la deuxième noire et la troisième rouge. Donc l'ordre est intéressant, mais il y a des répétitions. Donc, vous voyez bien qu'il s'agit d'un arrangement sans répétition. Donc, chaque résultat est un quoi? Est un arrangement avec répétition. Donc, le nombre de résultats est le nombre quoi? Des arrangements avec répétition qui est égal à N à l'absence P. On l'avait dit avant. Et N c'est quoi? C'est 12. Et P c'est quoi? Donc ici N c'est 12. Et P c'est quoi? On tire quoi? 3 boules. Donc P c'est 3. Donc vous avez ici les clés de la solution. N c'est le nombre de boules dans l'urne. Le nombre de boules tirées. Tirage successif avec remise de 3 boules. Le nombre utilisé, c'est N à la puissance P. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de tirage successif avec remise. Donc, c'est 12. N, c'est 12 à la puissance 3.
Et 12 absence 3, on peut le calculer avec la calculatrice. Ça donne quoi? Donc c'est 12 donc, fois 12 fois 12. Ça fait 1523. Ça fait 1728. Voilà. Donc vous avez 1528 résultats en 10 possibilités. D'accord? Donc le fait de tirer 3 boules successivement avec remise, c'est, quelles sont ces possibilités? On peut tirer la première boule blanche, B, la première boule noire, BNR, 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 ils sont au nombre de 4, ainsi de suite. Donc ils sont 1728. Bien. Deuxièmement, maintenant on tire successivement. Alors, successivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre est important. Successivement. Alors, successivement, l'ordre est important. Avec remise, il y a répétition. Donc, N absence P. Successivement, l'ordre est important. Sans remise. Sans remise, ça veut dire quoi? Que la boule tirée, on ne la remet pas dans l'urne. On la met à côté. C'est-à-dire, il n'aura pas de chance d'être tiré dans le deuxième ou le troisième tirage. Sans remise, 4 boules cette fois-ci. On va changer. De l'urne. D'accord? Quel est le nombre de possibilités cette fois-ci? Donc la même chose ici. N c'est quoi? Alors il y a une méthode que vous devez connaître. N c'est 12. P c'est quoi? C'est 4. Le nombre utilisé cette fois-ci c'est ANP. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un tirage sans remise. Il n'y a pas de remise. Ce sont des arrangements sans répétition. Bien. Donc cardinal. C'est quoi cardinal? C'est le nombre de possibilités. Donc je vous ajoute ce mot qui est cardinal. Cardinal de E, c'est le nombre d'éléments de E. Le cardinal, c'est le nombre d'éléments de E. Vous êtes combien en classe? Vous êtes 27. Donc, cardinal de la classe, c'est 27. Donc, cardinal de E, c'est A. Le nombre de boules dans l'urne, c'est 12. Le nombre de boules tirées, c'est 4. Donc, c'est 12 fois 11 fois 10 fois 9. Voilà. Ça fait combien? Aussi, vous avez un bouton pour calculer ANP. Donc, j'ai dit 12, Shift, multiplication et 4. Ça donne 11 880. Donc, c'est très grand. Hein? Bien. Troisième exemple, on tire simultanément. Cinq boules de l'urne. Donc, vous voyez bien que le type de tirage a changé. Ici simultanément, ici successivement avec remise, ici successivement sans remise. Alors, je vous ai dit en pleine séance que comment on déchiffre s'il s'agit d'un ordre ou s'il ne s'agit pas d'un ordre ou s'il ne s'agit pas de répétition. Vous voyez bien comment on le déchiffre. Successivement avec remise, ça veut dire des arrangements avec répétition. Successivement sans remise, ça veut dire des arrangements sans répétition. Ici, avec répétition. Simultanément, ça veut dire des combinaisons. Puisque simultanément, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque je tire 5 boules en même temps, je fais un seul geste. Alors ces 5 boules que je vais tirer avec la main droite par exemple, si je les déplace dans la main gauche, est-ce que j'aurai une nouvelle possibilité? Bien sûr que non. Même si ces boules se mélangent, ils ne me donnent pas une possibilité différente de la première. Donc l'ordre ici, ce n'est pas important. Donc il ne s'agit pas, si l'ordre n'est pas intéressant, s'il s'agit d'une combinaison.
D'ailleurs, si vous trouvez simultanément, il s'agit du combinaison. Donc, chaque tirage, chaque résultat est une combinaison. Et le nombre de combinaisons, c'est quoi? C'est CNP. C'est C12. On tire combien de moules? 5. Et C5, 12, c'est quoi? C'est A5, A12. 5 sur factoriel 5. On peut le calculer même avec la calculatrice pour gagner du temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais 12, shift, division. 5. Ça donne 792. Voilà. Donc, je pense que vous avez bien compris qu'est-ce que vous devez retenir de cette séance. Résumé. Vous avez à utiliser dans n'importe quelle situation 4 nombres. En général, ce sont 3 qui sont les plus utilisés. Ces nombres sont n à la puissance p, anp et cnp. Quand est-ce que je dois utiliser n à la puissance p? Lorsqu'il s'agit d'un tirage successif avec remise. Quand est-ce que j'utilise ANP lorsqu'il s'agit d'un tirage successif sans remise? Quand est-ce que j'utilise CNP lorsqu'il s'agit d'un tirage simultané? لا تنسى التسجيل في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك الجديد.